À tous, c'est Messiaen Gaming. Ça fait longtemps, je sais, ça fait 2 mois. J'étais parti en vacances, tout simplement. J'espère que vous avez passé une bonne rentrée. Moi, c'est allé. Je vais réagir à la bande-annonce de Minecraft, le film qui vient de sortir à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc, nous sommes le 4 septembre. Je ne sais pas si tant cette vidéo sortira. Mais en tout cas, ça va bien se passer, j'espère. Je vais baisser un peu le son, voilà. Et c'est parti, hein. J'attends ce film depuis très longtemps, donc j'espère qu'ils vont pas nous décevoir. Je crois que c'est en live action, donc j'espère qu'ils ont pas fait un truc de merde. Tiens, un portail du Nether bleu, je sais pas. Wesh. Oh putain. Oh là là. C'est qui eux-mêmes? C'est. Le monde est très beau, hein, mais. Jason Momoa, c'est quoi ce délire, effectivement, l'année prochaine. Oh, les piglins, ok, des ghasts. Un loup. Wesh. Table du craft, ok, je sais pas ce qu'il a créé. Ok, des piglins encore. Un creeper. Ok, ça c'est une nether. Ou le black. C'est Steve, ça! Wesh. Parle mieux de Steve par contre. Minecraft le film. Est-ce qu'on a une date? Un lama. Ok. Donc je pense qu'on part du principe que les monstres du Nether vont venir dans l'underground en fait, au cinéma. On n'a pas de date de sortie l'année prochaine, juste. Ok, alors. Je ne sais pas quoi en penser, effectivement, parce que je pense qu'on va partir d'un principe qu'ils sont téléportés dans un monde et que, tout simplement, ils vont devoir en sortir un peu à la Jumanji et tout. À voir, faut voir si un autre trailer sort. J'espère qu'ils vont pas faire de la merde. C'est surtout, genre, Steve. Je pense qu'on va partir du principe, genre, qu'il est vieux et tout. Ça fait longtemps qu'il est dans ce monde et que. Non, je pense qu'il aurait fait. Ils auraient mis Jason Momoa à la place de Steve s'il aurait été jeune et tout. Donc voilà. Après, les monstres, les mobs et tout, je pensais à quoi ils devraient ressembler s'ils étaient en mode réaliste. Les ghasts, ils ont bien fait. C'est des monstres qui pleurent. Hein. Les piglins, ils ont une tête chelou, mais ça passe. Le loup. Là, on voit le profil, donc je vois pas trop, mais. Je pense. C'est. Limite, s'il n'y aurait pas eu de vrais acteurs, ça aurait été mieux. Là, j'aurais préféré que ça soit un film d'animation à la Mario que qu'il y ait des vrais acteurs, tu vois. Ou soit, limite, je sais pas, c'est. Voilà, on voit des piglins, on voit un creeper. Donc ça avait déjà été annoncé, le creeper et tout, en mode herbe. Vous savez que dans Minecraft, les creepers sont faits d'herbe, hein, pour se camoufler et tout. C'est un vrai truc qui existe, ils n'ont pas Dieu et tout. Donc là, il est bien fait, le creeper. Ça, c'est le Nether. On voit quelque chose là, avec des yeux violets, je sais pas si c'est un Enderman ou quelque chose, mais en tout cas là on part du Nether qu'il y avait à l'époque, donc c'est que de la lave, c'est limite les enfers. Là on voit Steve du coup. En tout cas, c'est bien des trucs en cube et tout, en mode bois. C'est Steve, écoute. Donc là ils ont un cube bleu, j'imagine que c'est ça qui va pouvoir les faire rentrer chez eux, sauf que. Ça, il va y avoir une connerie que les piglins ils vont le prendre et tout, je pense. Là, on peut voir l'arrière-plan. C'est de la 3D, hein, on voit. Voilà, quoi. On voit que c'est un fond vert, quoi. C'est. Mais sinon. Bon, je sais pas trop quoi en penser, mes petits lapins, là. Dites-moi ce que vous en pensez. Le lama, il est bien, hein, c'est un lama. Il va sauver le film, je pense. Parce que là, c'est pas comme le film Sonic. Où genre, le Sonic, il était moche, donc on pouvait changer. Parce qu'il y avait que Sonic. Là, c'est tout qui est bizarre et tout. Donc, je sais pas. À voir le prochain trailer. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Hein. C'était juste une réaction au trailer de Minecraft avec une petite analyse vite fait. Donc, on voit la lune au carré et tout. Ils arrivent par un portail. Et tout. Bon, passez une bonne année scolaire, hein. Je vous retrouve sur Brawl Stars, il y a la saison Bob l'éponge qui sort bientôt. Portez-vous bien, tout simplement, portez-vous bien.